Bon bah pour l'instant en tout cas si tu dois faire des mauvaises rencontres, j'ai ça pour me défendre. C'est pas énorme. Enfin bon, on va continuer. Hop. Hop. Alors. Ah, apparemment c'est un checkpoint. Ah bah voilà de l'huile. Alors. Et je remplis. Comme ça. Parfait. Et ça c'est... 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. D'accord, donc notre Daniel a perdu la mémoire. Et Ah. Et il s'est maintenant enfoncé, la souris est placée. Hop là. D'accord. Je vais juste voir s'il n'y a pas autre chose. Donc en gros, je dois tuer Alexandre. Je sais pas qui c'est. Peut-être le propriétaire du château. Et donc mon âme doit être sauvée ou je sais pas quoi. Ah. Et donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a bel et bien des monstres, parce qu'ils me disent qu'une ombre me suit et qu'elle est invulnérable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois passer mon temps à fuir si je la croise? Je sens que ça va être un espèce de Nemesis bis, comme dans Resident Evil 3, où Jill elle est souvent traquée par le tyran Nemesis. Alors. Donc là, je peux courir maintenant. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Donc j'ai constaté qu'on fonctionnait aussi à l'aide d'espèces de flashbacks. Ça me fait penser également à Bioshock où de temps en temps le héros Jack avait des petites visions de fantômes. J'ai l'impression qu'en fait c'est ce qui va contribuer à raviver la mémoire de Daniel. Ok. Alors là, ça me fait penser à Dead Space, cette espèce de substance là qui recouvre le mur. On va un petit peu se dépêcher quand même. Ah tiens, il y a... peut-être qu'il n'y a rien en haut des escaliers, donc on va vérifier d'abord. Oh putain. Oh, ça m'a surpris. Ah ok. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste vérifier s'il n'y a pas quelque chose ici. Bon, là c'est fermé, il y a des planches. Ah si, il y a quand même une zone. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est bloqué. Bah écoutez, on va d'abord aller là, aux archives.
Peut-être qu'on aura justement des petites informations sur le pourquoi du comment. En tout cas, je trouve que l'ambiance est plutôt bien rendue. Alors, on entend très souvent des espèces de sons atmosphériques, un peu lugubres, souvent sifflants. Ah, il y a déjà plus de lumière ici, ça fait plus chaleureux. Livre rare, Libri Rari. Oh la vache, j'entends un espèce de son comme si c'était des fantômes là qui étaient en train de faire ouh. Je sens que ça va me stresser cette musique. Alors c'est quoi? C'est des espèces de cloportes? On peut pas allumer de feu dans la cheminée. Vraiment tout déplacer. Ah, il y a un document. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Vous pouvez rapidement vérifier un texte récemment en pressant N. Donc apparemment notre Daniel est en fait un espèce d'archéologue. Il a mené une expédition en Algérie et ils ont trouvé donc un tombeau. Alors juste voir où en est ma santé mentale parce que j'ai mal de tête, ça va. Donc pour l'instant, inutile de gaspiller de l'huile. Voilà ce que je peux dire. Oh. Ça va. Je suis désolé, hein, peut-être que je serai amené à plusieurs reprises à vérifier ma santé mentale, mais je sais, le pire c'est que je ne sais pas en fait si ça affecte la vie du personnage ou non. Ah, ça c'est bien ça. Et rien de particulier ici. Rien de particulier non plus. Alors. Est-ce que j'ai vérifié la zone qui était ici? Non. Sympa l'eau là. On se croirait dans la galerie de cristal. Bienvenue à Versailles les amis. J'ai entendu un grognement là. J'ai entendu un grognement. Attends, mais si je tombe sur cette créature, qu'est-ce que je fous? Je vais me contenter de fuir, je peux pas me battre, enfin j'ai pas d'arme. En fait, je crois que ce jeu va me stresser bien plus qu'un Dead Space ou autre parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'armes. Enfin, ça fait déjà un petit moment que j'ai commencé et je n'ai toujours pas d'armes. Je sens que l'Amadou va être mon meilleur ami. Ça et ça. Alors, ça c'est quoi ça? 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need
to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Bon, visiblement, de toute façon, il a l'habitude d'être piégé, puisque il est pour l'instant piégé ici. C'est désagréable quand d'avoir la vue comme ça, troublée, comme si on avait de la pluie. Ah, c'était quoi? C'était un bruit d'éboulement. Ah oui, d'accord. Ah, j'ai une petite note. Qu'est-ce qu'il... Non, c'est pas le bon, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'ils disent en Memento? Vous devez trouver un nouveau chemin en dehors de cette zone. Roger. Bah, de toute façon, il ne me reste plus que cet endroit-là. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There is much to be done about wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Donc visiblement maintenant ils sont... Alors je vais peut-être le garder de côté parce que j'ai peur en fait de gaspiller de l'huile en le rechargeant là. Donc visiblement ils sont déjà au courant qu'il y a une espèce d'ombre qui va les traquer. Et qui va... Ça ne peut pas être cassé à la main. Bon, je suis allé ici. Il y a une autre pièce là. Est-ce que je ne pourrais pas la casser? Non. Peut-être avec ça alors. Eh ben voilà. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Je ne vois rien du tout. Un petit peu de lumière.